Bien le bonsoir. Ti-ti-ti-ti. Bien le bonsoir, bienvenue aux Otrex. Bienvenue à vous. Voyez un petit peu une nouvelle image. Bon, j'ai fait quelques tests. Comment allez-vous? En ce jeudi soir. Jeudredi, j'ai presque envie de dire. Ah. C'est important d'avoir des pantoufles. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Alors, du coup, je fais voyager la poussière dans tout mon appartement parce que je suis en chaussettes. Sico75FR, bonjour. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bon, ce sera notre. Vous n'avez pas de pantoufles non plus. Vous m'avez menti, Zolotrex. J'étais prêt à vous faire des éloges incroyables. C'est dommage. C'est dommage. Non, mais c'est pas grave. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Mais ça se vaudra quand même. Alors, bon, qu'est-ce que vous pensez déjà de. Alors, de cette nouvelle un peu image. Normalement, c'est un peu de meilleure qualité qu'avant. Avec le petit flou derrière. Et, enfin, derrière. C'est pas vraiment derrière, là, mais bon. On fait un peu ce qu'on peut. On fait un peu ce qu'on peut. J'aime beaucoup cette phrase. Je la ressortirai à l'occasion. Ouais, merci beaucoup. Alors, en fait. Parce qu'avant, j'étais avec la caméra du PC, quoi. Hein, donc, qualité médiocre. Et acheter une caméra, acheter une webcam pour faire des lives, ça me. Je serais riche, je dirais oui. Mais je suis pauvre, donc je dis non. Et en fait, j'ai cherché, et c'est juste avec mon téléphone, en fait. Vraiment un truc tout con. Et ça passe. Bon, ça passe bien. Ça rame pas, ça. Par contre, comme je suis avec un ordi portable. Ça sollicite un petit peu plus la batterie et donc les ventilos, malheureusement. Bon, ce soir, c'est notre dernier soir avec Zia. Alors, c'est la mage, au cas où. Ne commencez pas. Oui, alors, on va s'y mettre. Je vais lancer le jeu. Hop. On va lancer ça. J'ai avancé. Alors. Concrètement, à moins que je me trompe, ce qui m'étonnerait, on devrait arriver au dernier donjon. Devrait arriver au dernier donjon. Ah, je vais devoir re-régler le son. Je vais devoir le faire combien de fois? C'est incroyable. C'est fou, ça par contre c'est vraiment agaçant. Pardon, excusez-moi. Non, bien sûr, ça ne passe toujours pas. Non, vous entendez pas le son, bien sûr. Alors. On en a marre, mais je suis d'accord. Je suis extrêmement, complètement full d'accord avec vous. Ça ne veut pas, c'est incroyable. Ah là là. Voilà. Normalement, c'est bon là. Augmenter un petit peu. Alors, j'ai avancé, vous disais-je. Alors, souvenez-vous, on a récupéré donc la magie de terre, la magie de l'eau, la magie de l'air. J'ai récupéré, dans la grotte volcanique d'ailleurs, la magie du feu. J'ai tenté quelques déjà petits sorts. Non, je ne crie pas comme Zolotrex, parce qu'en plus je sais même pas comment il crie Zolotrex.
m'entendez de l'autre côté. Alors, serait-ce le son de la caméra qui est activée ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous me faites tourner chèvre. Ah oui, d'accord, pardon. Tiens, dites-moi, c'est mieux comme ça ? Si j'y arrive, c'est mieux comme ça ou ça change rien pour vous ? Juste ma tête, hein, ici, là. Alors, j'ai récupéré, disais-je, le feu qui me permet donc de faire ça. Alors, attendez. J'ai aussi... un feu explosif. Voilà. J'ai aussi le feu chargé. Voilà. Ici, bon, ça c'est boule de feu classique, boule de feu... Il n'y a rien qui change. Ah si, j'ai fait ça. Je l'avais pas fait avant. Ça m'a bien servi pour le dernier boss, qui m'a bien fait galérer d'ailleurs. Non, là-dessus, il n'y a rien de nouveau. On est toujours sur le chemin de terre. Alors, par contre, je suis un peu déçu que le chemin de feu n'aille pas plus loin que ça, quoi. Ouais, triple électros. Je comprends pas pourquoi ça va si peu loin, en fait. J'aurais peut-être mettre d'abord la kinésie après ça. Parce que ça, en plus, c'est pareil. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Non, ça sert à rien, ça. Enfin, est-ce que ça change quelque chose? Non, c'est pareil. Non, ça va pas très loin, le chemin de feu. Alors donc, quoi qu'il en soit, on a appris que le grand méchant, sans surprise, c'était... Devinez qui? Vu que vous avez suivi tous les lives, vous connaissez tous les personnages par cœur. C'est le conseiller, comme par hasard. C'est Blanquer, exactement. Donc ce sera lui le grand méchant. Et bien sûr, comme par hasard, il se trouve dans la tour sombre. C'est le dernier donjon. Mais avant d'y aller, voilà. Je dois aller au voile avant d'y aller. Ouais, j'allais dire, par contre, je me fais attaquer, mais tout le temps. Il y en a qui résistent au feu. Je vais me téléporter, ce sera plus rapide. Alors, au voile. Ouais, l'avant-dernier donjon, c'est la lave, bien sûr. C'est pas trop fort le son du jeu pour vous? Alors pourquoi je dois aller au voile? Ouais, je vais créer un gris-gris de mana. De toute façon, je suis pété de thunes dans ce jeu. J'ai le max de thunes. Je peux pas avoir moins. Il est où, menteur? Pourquoi je dois venir ici? C'est quoi l'intérêt de venir ici? Un chouïa, mais presque rien. Ah, et si je fais ça comme ça? Ça baisse pour vous, ça? Ah, est-ce que je rajouterai pas un petit peu de la vie si j'ai assez? Non, ça change... Ah, j'ai pas assez. Ah ouais. Du coup, baisser un petit peu ici. Ah, c'est vrai qu'il y a... Pardon, je l'ai mis un chouïa fort. Voilà. Alors, les perles violettes, il y en a un petit peu partout, et c'est vraiment ça qui fait qu'on peut devenir hyper balèze, parce que sinon... Quoique, regardez, hein. Vous voyez tous les items que j'ai pas, quoi, tout ce qui est verrouillé. Il y a quand même pas mal de choses. Alors, concrètement, droite-gauche, ok, je vois. Mais après, c'est quoi? C'est derrière? C'est...
Je ne sais pas. Il y a encore des choses à découvrir. Parfait, entendu. Alors, il me dit de venir ici, mais pourquoi faire? Cette chasse aux mages est horrible. Ils ne se soucient guère de ceux qu'ils attrapent. Bah oui, mais ça, mon petit pote, tu fais de la magerie, c'est dangereux. Hein. Bon, c'est lui, du coup. Tant de revoir, Zia, es-tu prête à aller dans la Tour des Ombres? Bof, ouais. Hein. Mais oui, c'était le conseil, c'était sûr, de toute façon. C'est un mage. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est un mage aussi. Ouais, c'est un petit gamin, hein. On lui a dit de sortir, il est pas content. Tout d'abord, la Tour des Ombres. Maintenant que tu as appris à maîtriser tous les éléments, tu vas pouvoir utiliser l'éclat céleste que tu as trouvé précédemment. Ah ! Te permettra d'utiliser la magie céleste sans qu'elle l'emporte sur toi. Ah, on va avoir des nouveaux sorts. Mais bien sûr, allez-y, Jutrix. Petite n'a pas besoin de telle babiole. Comme je le pensais, c'était bientôt. Alors, le bouquin a son histoire, lui aussi. C'est qui, c'est Aetius? C'est l'ancien roi fou, là? Laisse-moi te raconter une histoire, Zia. C'est l'histoire du mage Sabinus. Heureusement que c'est pas un T à la place du N. Qui s'est tourné vers l'art interdit de la création d'artefacts et qui en a subi les conséquences. C'est vrai qu'il est revenu plusieurs fois ce nom Sabinus. Il l'a fait pour arrêter le roi fou. Le piège était un magnifique livre de sorts vide qu'il a placé dans ce qui est maintenant appelé la prairie perdue. Et il a fabriqué une image de lui-même se penchant dessus pour l'étudier. Allez. Le roi mage arriva et revendiqua le tome. Et lorsque Sabinus sembla l'ignorer, il le fit exploser et s'empara du livre. C'est alors que le piège de Sabinus se déclencha, aspirant le roi fou dans le livre de sorts. Son corps disparut en un instant, mais son âme fut préservée et emprisonnée dans le livre. Donc c'est ça, c'est Aetius. Et ce livre de sorts est désormais en ta possession. Voilà, tu es le dernier roi mage de Mistralia. Je suis maintenant sous cette forme parce qu'il ne pouvait accepter mon pouvoir. Je t'ai entraîné juste sous leur nez et grâce à moi, en plus de maîtriser la simple magie, tu maîtrises également la magie céleste. On va devenir hyper malaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce fut facile. La fille m'est apparue comme un réceptacle vide. Elle n'avait aucune volonté propre de s'opposer à la magie céleste. Je lui ai appris à l'accepter et à l'utiliser comme si elle était sienne. Je dois avouer qu'elle a été une étudiante exceptionnelle, bien sûr. Toujours. Mais pourquoi tu pleures? On est devenu super balèze. Vais-je devenir folle? Mais non! Eh, tu ça fait du bon travail en t'entraînant. Eh oui. Voilà. Tu devrais suivre ton jugement. Alors moi, je pense que j'en ai rien à foutre de vos conneries. Bien que je ne lui fasse pas confiance, c'est sa ruse qui t'a permis de devenir si puissante. Assez puissante peut-être pour vaincre le conseiller Clovis. En route pour la Tour des Ombres. On va lui montrer ce qu'un véritable mage céleste peut faire. Je vais te rejoindre à la Tour des Ombres après avoir informé les autres mages de ce dernier développement. Ah, tu vas venir, c'est bien. Enfin, il se bastonne. Ouais, mais par contre, il est gentil de parler de magie céleste, mais moi, je suis pas au courant. J'ai rien comme magie céleste. Hein. Bon, la Tour des Ombres. Est-ce que j'ai un téléporteur pas loin? Oui, à l'ascension. Normalement, c'est le dernier donjon. Parce qu'une fois qu'on a battu Clovis, je vois pas trop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux. C'est quoi le bouclier? Ah oui, alors eux, ils sont casse-pieds parce qu'ils m'empêchent d'utiliser la magie. Ça va, le petit chemin de feu, il fait mal quand même. Tu, 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 tu.
Tour des ombres, allez. On va aller se faire défoncer, c'est parti. C'est quoi ça, cassez-vous. C'est pas vrai, je suis déjà embêté. Oh. Ah, je les aime pas, je les aime pas. Ah, ils sont solides. Oh. Ah, ils m'ont touché. Et comment ça se fait qu'ils soient si solides? Ah, oh, puis en plus, il y en a un gros là-bas. Avec des squelettes, allez. Alors, il y a moyen sinon de faire des sorts de ouf. Mais ça pompe une énergie magique incroyable. Ouais, c'est... Ah non, il n'y a pas celui-là. Lance-glace, 3 boules de feu. Boule de feu explose. C'est bien ça, on va prendre ça plutôt. Ah non, celui-là, on s'en fiche. On va garder le coup explosif. Le feu explosif, ça fait peut-être plus mal le feu. Allez. Ah, chemin de glace, en fait, ce sera mieux. Et le bouclier classique. Bouclier feu, ça c'est en dessous de le feu. Très bien. Très bien, on va commencer à ressembler à quelque chose. Ah, il est immunisé contre le feu, bien sûr. Évidemment. Ah bah oui, bah du coup j'ai pas le bon. Casse-toi toi. Ils sont costauds. Oh, le gros, c'est pas vrai ça. Ouais. Hop 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 voilà. Hop hop. Pas mal. Il est mort, c'est pas possible ça de pas mourir comme ça. Quand même. Voilà, et c'est pas gagné cette histoire les enfants, parce que je douille hein. Sac à PV, bah ouais, mais en plus c'est pas un gros ennemi quoi. Bon, l'entrée c'est là-bas. On va pas commencer à chercher à droite à gauche, on va rentrer. Dégage-toi. J'ai à mon avis que ce sera pas du one shot. Hein. Ah bah hé, menteur. Ça va petite merde? Pardon. Il m'a rien appris, les enfants. Oui, pardon, une chaîne anti-vieux, bah oui. Tu es un peu en retard pour la fête. Tu t'es fait fumer, menteur. J'ai douté de vous et des mages. C'est pour ça que je me suis laissé avoir par ce livre de sorts. Je ne dis pas de la simple magie, il s'agit de magie céleste. La petite merde, je suis d'accord. Eh bien, des sigils semblaient toujours un peu bizarres. Je sais pas, c'est quoi des sigils? T'arrêtes de regarder mes sigils, hein? Ah, voilà. Zia, le conseiller, c'est Octavius, un mage que... Oui, je sais. T'es toujours... T'es en retard, mentor, t'es en retard. Ah, là, la limace. Je suis content d'avoir pu te rejoindre à temps. Bah, disons, à cette vitesse, t'es parti en même temps que moi. Hein. C'est mentor. Allez. Ah bah, il est mort. La petite merde est morte. Que s'est-il passé? Bah, je sais pas, il s'est fait fumer. Il a tenté d'arrêter le conseiller, mais il n'a pas pu. Oh là. Laisse-moi voir ce que je peux faire pour lui.
pars sans moi, Zia, je vais te rejoindre quand j'aurai. Et à chaque fois, il m'envoie au casse-pipe et il dit, ah, mais t'inquiète, j'arrive. Vas-y, vas-y, commence et puis je viendrai t'aider à finir. C'est intolérable des gens comme ça. Tu sais, qui te laissent commencer, tu sais pertinemment qu'ils vont pas vraiment venir t'aider. Même s'ils t'assurent que si, si, bien sûr, t'inquiète. Je suis là dans 2 minutes, y a pas de soucis. C'est marrant, qu'est-ce qu'il fait ce sort? Boule de feu explosif. Ah, ça refait du feu derrière. Bah, tu vois. Inspecter, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit de la magerie. Encore? Les mages utilisent une forme contrôlée de la magie céleste en recopiant des constellations dans leur livre de sorts à l'aide de runes. Ah, bah c'est ça, toutes les petites énigmes qu'on a. Un sort transcrit dans un livre se nomme un sigil. Ah, ok. Bon, bah, on sait ce que c'est un sigil. Ça l'a tué, oui. De la magie brute. Ah, ouais. Je suis désolé, hein, je suis jusqu'au boutiste, hein, mais. Des fois c'est magie, des fois c'est magerie. Faut se décider, les gars. La magie brute est une énergie qui se retrouve naturellement dans certaines substances et certaines créatures. Certains minéraux et pierres précieuses trouvées dans la vallée en contiennent des quantités appréciables. La magie brute est tout simplement... Alors ça va pas. La magie brute est tout simplement... Elle ne peut pas être exploitée, ça veut rien dire. Il y a des petits problèmes de trad, hein, les gars, pardon. Ça gâche pas le jeu, hein, loin de là, mais... Là, c'est pas un accent. Attendez. C'est pas un accent, là. C'est du français. Ça veut rien dire. Même en québécois, ça veut rien dire. C'est quoi cette étoile? Y a pas un truc à faire, là? Non. Alors, qu'est-ce que j'ai comme sort? Coup explosif, boule de feu explosif, glace et bouclier feu. Bah, c'est bien. On va partir comme ça. Allons-y. Ah bah, le... Non, on est direct sur le boss. Le québécois, c'est pas du français. Bah, pardon, la grammaire, ça fonctionne comme le français. Hein. Donc, la magie est tout simplement, même en québécois, ça veut rien dire. La magie, là, est tout simplement... Je vais pas faire l'accent québécois, je vais m'arrêter tout de suite. C'est une insulte au Québec. C'est un pays jeune. Non, j'aime le Québec. Vous saviez d'ailleurs que le québécois, en termes d'accent, correspondrait plus ou moins au français d'il y a à peu près 300-400 ans. Que fais-tu ici? Je suis venu te botter l'océan. Je suis ici pour vous arrêter. Oui, c'est ce que je viens de dire. Toi, m'arrêter, es-tu vraiment une mage? Tu peux peut-être comprendre ce que ces vieux fous ne voyaient pas quand ils m'ont chassé. Que les mages pourraient et devraient régner en utilisant leur pouvoir afin d'assurer la loi et l'ordre, en débusquant et détruisant tous ceux qui les défient. Je vous annonce qu'on va combattre Zemmour. Joins-toi à moi et ensemble nous pourrons construire un avenir radieux pour la vallée. Oh, bon, c'est ça, c'est Zemmour. En créant toujours plus de lois et en brûlant les gens et leurs maisons s'ils désobéissent. Ah oui! Qu'est-ce qu'ils apprennent à obéir? Ouais, non, non, on va te fumer, mon gars. Est-ce que la paix viendra alors? Oui. Alors voilà, le mec, il a pas compris que s'il y avait plus personne dans la vallée, bah oui, il y aurait la paix, c'est sûr. Mais qui décide ce qui est mieux? J'ai peut-être pas la bonne baguette, je suis en train de voir. Moi, évidemment. Mais bien sûr, évidemment. Je suis le seul dans la vallée à avoir vu ce qui est mieux. C'est ça, ouais. Où as-tu vu le mieux? Dans les étoiles. Ça y est, c'est Star Wars. Non, The Trek, c'est pas vous qui décidez. N'êtes pas sur votre chaîne ici, mon cher. J'en étais sûr, tu utilises de la magie céleste. Salaud! Je l'ai maîtrisé. Eh ben moi aussi. J'ai triomphé là où le dernier roi mage est devenu fou. Bah, t'es peut-être un peu fou, mon pote. Hein. Voilà, alors encore une fois, je suis désolé, pardon, mais il n'est pas guère mieux que moi. Ça veut dire qu'il est mieux que toi.
double légation, ça s'annule, hein, les potes. Hein. Bah, après, c'est un jeu québécois, mais à l'origine, il est peut-être en anglais, ce jeu. Malgré tout, le Québec, ça reste le Canada. Il n'est pas étonnant que tu aies été chassé, Octavius. Tu pues du bec. Et je pense que la magie céleste a plus de contrôle sur toi que tu en as sur elle. Tu es devenu fou. Non, je vois simplement les choses clairement là où d'autres ne voient rien. Donc, petite, vas-tu devenir mon apprenti? Ah, bah c'est Palpatine maintenant. Je vous avais dit que c'était Star Wars. Ouais, ça sent un peu la tradoua, un petit peu rabais, mais bon... On va pas chipoter, ça gâche pas le jeu, quoi. Et puis, malgré tout, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien traduit, je pense. Non, je sais déjà bien plus de la magie céleste que tout ce que tu pourrais m'en apprendre, vil gredin. Et je pense que tu ne peux faire confiance à personne, tu es fou. Tu as brûlé Griffeuil. Foiré. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors du coup, je pense que c'est pas suffisamment au rabais. Faudrait que ce soit vraiment vraiment au rabais pour faire des blagues. Là, bon, il y a des petites fautes, mais ça va quoi. Il ne s'agissait que de quelques cabanes où des paysans idiots vivaient. Et je brûlerai bien plus avant de finir, toi y compris. Bon, quand est-ce qu'on se bastonne? Car si tu ne veux pas te joindre à moi, tu es mon ennemi. Je suis le mage le plus puissant de la vallée. Et ta destruction... Bon, c'est... Ah pardon, mais... Ah, écoute mon pote, t'es en train de me dire que la magie te rend pas fou, mais tu fais des phrases cheloues. Et tu finis pas tes phrases et tu les commences mais tu les termines pas. Et ta destruction ! Oui, oui, donc ma destruction, c'est-à-dire. Ouais, il maîtrise la force, c'est pas le patine. Tiens, je t'avais dit. Waouh ! Oh putain, il est fou lui ou quoi? Ah, il maîtrise les mêmes sorts que moi. Ça rebondit. Si je fais ça, ça va pas jusqu'à toi, mon monsieur. Ah, je vais le toucher. Ah bien sûr, voilà, il sait pas se battre tout seul. Donc, ça dit, j'ai plus beaucoup de vie, moi. Ah, t'es là, toi, salaud. Oh, ils sont chiants. Comment il fait tomber des trucs? Je pars ici. Allez. Il va être chaud quand même, hein. Ouais, pourquoi il arrive à transpercer mon bouclier? Non, j'ai pas de magie de régène. C'est bien dommage d'ailleurs, ça manque. Je suis en train de me dire qu'on est... J'espère qu'il va évoluer parce que sinon ça fait bizarre comme... Il est plus simple que le boss d'avant. Bon, à part ça, là. Et là, j'ai bientôt plus de vie. Vous voyez, je parlais trop vite. Ah, il y a plus de vase à péter là. Ah si, là. Mais comment il me touche avec ça? Je sais pas comment il fait.
Alors cela dit, si je meurs... Bonsoir, Jonagorad. Vous arrivez au moment critique. C'est le boss de fin, normalement. Mais attaque-le! Qu'est-ce que tu fous? Ah voilà, c'est un boss en plusieurs étapes. Hein. Ouais, c'est le boss final. Ah, il y a un gros cristal de sa mère, là. Poursuis-le, Zia. Mais fais attention, l'énergie céleste circule librement en haut de cette tour. Contre lui, ce que mon apprenti peut faire. En revanche, l'épreuve. Ouais, ça a dit, vous avez. J'ai pas des trucs pour récupérer de la vie, moi. C'est quoi ça? Non, ça c'est pour récupérer de la magie. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, je m'en suis pas servi. Et ça, ça me sert à. Je vais peut-être changer de baguette parce que ça, c'est pour l'eau. Ça c'est pour l'air, ça c'est pour la terre, bref, ouais, non, en fait. Vous voyez aussi, là, toutes les baguettes que j'ai pas, quoi. J'en ai trouvé que 3, finalement, que ces 3-là. Hein. Donc, on a vraiment pas du tout fait l'entièreté du jeu. Très très loin, à mon avis, que je devrais facilement avoir une barre de vie beaucoup plus importante. Oh, ça pue, ça. Bah, j'ai pas cherché non plus, en fait. Parce que malgré tout, enfin, j'ai vu que c'était un jeu qui pouvait se faire à peu près en 10 heures. Et une 10 heures, ouais, je voulais pas faire trop de live dessus. C'est quoi, c'est un téléporteur ça? Ah bah non. Ah bah non. Donc ouais, je voulais pas faire la baguette tradition servie. Je vous trouve un petit peu dur avec la baguette. C'est l'apprenti, la Gaïa, la quoi, la aura. Il y a peut-être ici, là. Il doit y avoir le feu. Et ensuite, la tradition. La campagne. La demi-sel. Sel aux graines. Et puis, bien sûr, farine d'épeautre. Ça paraît logique. Juste de la farine sur une baguette normale. Eh bien, sachez, mon cher Zulotrex, que je fais moi-même du pain. Et c'est pas si facile. Eh bien, je le connais, lui. Quoi, il est prisonnier? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez maîtrisé les secrets d'Aura. Vous pouvez avancer. Waouh! Oh non, mais ça suffit maintenant. Bon, le vin. Ah, je suis bloqué un peu sous. Le vent, il est où le vent? Je vais le virer? Ah non, il est là. Mais il résiste au vent. Ah non, sérieux. Qu'est-ce que vous voulez faire à part fuir? On va prendre les boules de glace. Ça les touche. Il y a toi encore. Ah, parce que les boules de glace, attention. Une fois qu'elle touche la cible, elle lance un chemin de glace. Ah, je m'en suis éclaté là. Le genre de sort bien costaud et qui bouffe pas mal de magie. Regardez ça, double choc, c'est pas beau? Ça suffit, cassez-lui, je vais devoir en tuer combien? Ah, quand même. D'accord, donc après on va avoir une autre épreuve. Donc il y a 4 grandes magies, donc il y aura 4 grandes épreuves. C'est il va mettre du temps ce donjon. Ouais, mais je peux avancer, mais tu vas bien me casser les. Oh non, pas lui en plus. Ah, les boules, elles me suivent. Ouais.
Bon, je me sens mal barré cette histoire. C'est lui le tueur. C'est lui qui peut buter. Alors, bouclier feu. Bah oui. Voilà. Ça touche pas. Ah, sérieux? Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est sans fin. Chemin de feu, allez. Je vais mourir avant le boss final. C'est intolérable. Par contre, c'est con. Un sort qui lance des boules de feu mais qui touche pas l'ennemi. C'est quand même très dommage. C'est bon là? Pas si simple hein, d'être un héros là. Et encore, heureusement que j'ai mis le nom des sorts, vous imaginez sinon. Quoi que cela dit, il suffirait que je fasse select. Alors attendez, parce que là, c'est la terre, ou c'est le vent, je sais plus, on va essayer de préparer un petit peu les sorts. Coup explosif, je pense qu'on peut le garder. Boule de feu... électro peut-être. Chemin de feu, on va prendre chemin de terre. Chemin de terre et bouclier simple, ça prendra moins de magie. Ouais, c'est ça, je vais enchaîner les arènes, il en reste encore deux. Là, je peux avancer, bah non, je crois. Oh, il y a le gros. Oh, il y a le gros. Ouais, mais là, ça va pas être possible. Maintenant, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire. Oh non, mais c'est pas possible, comment vous voulez faire? On va prendre le chemin de glace parce que là... Ah, je l'ai passé. C'est un bordel! Et c'est de plus en plus dur, alors... je sais pas ce que ça va donner le dernier, mais à mon avis, ça va être pas mal. C'est quand même un petit peu un Zelda. Mais c'est pas désagréable. Alors, voyons voir. Boule feu explose. On va prendre les trois boules de feu. Le coup explosif on garde. La glace on garde. Puis on garde. Ouais, ouais, le chara-design, je suis un petit peu d'accord, il est un petit peu dépassé. Et comme le jeu est assez court en plus, on peut pas vraiment s'attacher au personnage. Bon. Le... Oh non... Oh non... Oh non... Oh non... Alors ça, concrètement... L'arène du dernier boss, je devais jongler avec ça
et les coups. Et c'est chiant. Les boss, je les fais 4 fois. Voilà. Et là, ça va être la purge. Ça va être la purge. Marqueries qui vont sur la lave. Hein. Moi, par contre, si je tombe sur la lave, ce sera capuche, quoi. Ah oui, hein. Du coup, faut les lances de glace. Voilà, je suis mort. Voilà. Je vous dis, la purge. Des niveaux comme ça, c'est la purge. Oh là, je dois tout refaire. Non. Je dois pas tout refaire quand même. Oh non. Bon, je pense qu'on finira pas ce jeu aujourd'hui. Ça va très très vite me gaver. Donc on va prendre le chemin de glace, le bouclier, on va prendre la lance de glace et le quick splash. Ah non, ça va être particulièrement pénible ce niveau, je le sens. Qu'il y a la manif de Bambi Fontaine. Vous savez c'est quand? J'ai jamais joué à Spyro. Je vous l'avoue. Je vous le confesse. Et je dis pas ça uniquement parce que dans Confesse, il y a Fesse. Et je n'ai jamais joué à Spyro car en fait je n'ai jamais possédé la PS1. Parce que sauf erreur c'était sur PS1 je crois. Alors on va prendre un petit peu de feu. On va prendre un petit chemin de terre, tiens. Explosif, bien sûr, toujours. Bon, lui, il est mort, c'est déjà ça. Qu'est-ce que je suis mauvais, mon dieu. Je vais faire la boule de feu 5, ça sert à rien de faire du 3, là. Pourquoi ça touche pas, lui? C'est vrai qu'il y a eu après. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon dieu, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais au jeu vidéo. Meurs. Meurs, charogne. Pourquoi j'arrive pas à l'atteindre, lui?
Sa manif anti-timer a été un peu canine. Ouais, ça tombe mal. Puis c'est quand même vachement plus important l'anti-timer. Alors, chemin de glace. Non, pas à droite ou à gauche, juste glace. Faut un petit peu de vie. On fout des thunes, je veux de la vie. Je veux des cœurs. Oh. La magie aussi, je m'en fiche. Bon, bah, ce sera pas pour cette fois. Bon, je n'en ai pas. Combien de fois je me suis dit bon sang si j'avais un sextet. On va garder les boules de feu, la glace, le bouclier. Bon, on garde ça. En fait, c'est plus ou moins ce que je garde tout le temps. Ouais, la glace c'était pas mal ici. Les boules de feu, on va faire. Non, on va faire l'électro. On va partir comme ça, allez. Encore un petit peu le son, d'accord. Hop, pardon. Hop. Ah, puis en plus, il arrive direct sur ma pomme, quoi. Il y a Aster. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop, en moins. On tient le bon bout là. Très bien. Et puis là, c'est là qu'on s'était fait fumer. Il n'y a pas de sauvegarde. Je trouve ça un petit peu salaud quand même à ce niveau-là du jeu. De pas nous claquer une sauvegarde. Ah oui, il nous fout la terre. Oh là là, j'aime pas ce niveau, mon dieu. Est-ce qu'on peut pas fabriquer un meilleur bouclier ? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de mieux? Ah, là, attendez, vous parliez de pancarte, qu'est-ce qui se passe? Le convoi qui lui est aimé, bien sûr, évidemment. Crash Bandicoot, c'était dur, j'ai jamais joué à Crash Bandicoot non plus. Combat, ça gueule un peu, ouais. Mais le problème, c'est qu'après, la musique, on l'aura plus, quoi. Crash Bandicoot, un pognon de dingue. Oh, 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 oh. Bien joué. Bon, on va baisser un petit peu. Hop, voilà. Alors, parce que là, on est sérieux. Il me faut un bouclier qui fasse mal en retour. C'est validé, bien sûr. Alors, un bouclier, bon, ça ne sert à rien. Parce que ça, c'est le dash. Est-ce qu'on pourrait pas faire un bouclier qui a une copie et qui, à l'impact, lance le sort. Le sort de chemin de terre, par exemple.
qu'est-ce que ça donnerait? Non, donc la copie, c'est non. La copie, c'est non. Non, ça non plus. Non. L'impact, d'accord. Ça, ok, donc ça veut dire que dès qu'on frappe, hop, il y aura un chemin de terre. La maîtrise ajoute un effet élémentaire au sort. Et voilà. Alors ça, je ne comprends pas ce truc. Ça rajoute un effet élémentaire, mais après ça, on peut rien faire. Je ne comprends pas ce truc. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas. Sélectionner, modifier le nom du sort. Non, là on tombe là-dessus. Je ne sais pas. Ah non, ça non, on s'en fiche. Cadre à l'entrée de l'entreprise, bien sûr. Bien sûr, moi j'ai déjà eu mon nom, meilleur vendeur. Mais c'était juste mon nom, du coup ça jette moins quand même. Bon, on va se le tenter comme ça, je suis pas convaincu, mais... Parce que en plus le bouclier ça prend, ça pompe de la magie bien comme il faut. Ah, c'est dommage qu'il y ait vraiment rien d'autre à faire. Et puis on va l'appeler bouclier terre. Hop. Voilà. Je vendais des assurances pour une entreprise qui, je me demande si elle existe encore. Ça existe encore, Finaref? J'ai un doute. J'ai un grand passé de téléconseiller. J'ai vendu tout ce qu'il était possible de vendre. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai fait beaucoup de merde au téléphone. Et ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire, au lieu de la feu boule droite, est-ce qu'on peut pas faire une lancer de la terre? On peut lancer de la terre? Ah, on trompe tout le temps. Ça, c'est de la glace, ça, c'est du vent, ça, c'est l'électricité. Le feu avec l'impact. L'impact terre. Pour le faire encore le chemin de terre. Voilà. Puis on va l'appeler. Boule feu terre. Voilà. On est très originaux sur les noms en plus. Celui-là, par contre, on va pouvoir le tester normalement. Voilà. Bon, ça fait juste une case. On le sait, mais ça pourra être pratique quand même. Meilleur vendeur, respect, ouais. Alors, pour la petite histoire, j'étais sur une autre plateforme téléphonique et ils avaient, enfin, on avait peu d'activité, donc on m'a dit, bon, ben, Gaëtan, tu vas aller là-bas. Parce que, bien sûr, on est des couteaux suisses hein, dans ces métiers. Donc, j'ai dû travailler quoi, 2 heures. J'ai dû faire 2 ventes. Mais au prorata, si on ramenait ça sur le mois, eh ben j'étais meilleur vendeur. Et du coup, j'ai pris une prime de meilleur vendeur que ceux qui ont fait tout le mois n'ont pas eu. Ils ont fusionné avec Sofinco. Ouais, il me semble bien que Finaref n'existait plus en tant que tel. Ouais, c'était dégueulasse pour... Comment diviser pour mieux régner? Vous voyez, Gaëtan, il a mieux vendu que vous. Ah, mais il a bossé 2 heures. Ouais, peut-être. Mais au ratio, là, c'est un meilleur vendeur. C'est dégueulasse. C'est horrible. Bon, allez. On va faire la partie... Je suis sur la terre, là. Non, je suis sur la terre. On va faire la partie que j'aime pas. Et celle qui va nous poser un problème. Mais tellement un problème. Je sais pas comment on va faire. Je crois qu'on va buter là-dessus et qu'au bout d'un moment, je vais, entre guillemets, je vais rage quitte. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? En fait, c'est eux le problème. Bah, bien sûr, on va tomber dans la lave, évidemment. Bah, c'est eux le problème parce que... Ils lancent du feu. Oh là, faut que je refasse du coup à la terre.
Voilà, donc c'est eux d'abord. Voilà. On va essayer de... On va essayer de bien jouer. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Oh là là. Oh là là. Ouh. Je le voyais vraiment pas gagnant celui-là. Ah, puis les pots ils sont tout là-bas. Genre je peux mourir pour aller chercher les pots quoi. Merci. Merci, merci parce que... le boss dans le volcan c'était ça. Et c'était... Mais oh là là. Parce qu'il y avait... En gros il y avait une plateforme ici. Et il y avait 6 plateformes autour, séparées par de la lave bien sûr. Sauf qu'au fur et à mesure, les plateformes disparaissaient. Donc il fallait faire ça, taper le boss, faire ça, taper le boss. Enfin, c'était particulièrement pénible. Est-ce qu'il y a des pots par là-bas? Il semble que oui. Voilà. Parce que là, je n'ai plus de vie. Pas de pot ici. Pas de pot ici. Là, il me faut de la vie, il me faut de la vie parce que je morfle trop. Là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais quelle est cruche celle-ci? Ah ouais, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'autres vases à casser. Mais ce jeu vraiment, il est vraiment sympa. Alors pour le coup, je trouve qu'il est un peu cher. Mais bon, on va dire allez, c'est pas... Faut bien que les développeurs vivent aussi. Voyons voir. Alors on va garder la boule feu de terre, je sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il est pénible, mais aussi parce que... Voilà. Je pense que c'est un petit... petite boîte de développement, enfin c'est pas Blizzard quoi, donc au bout d'un moment ils ont aussi leurs limites. Je pense qu'ils auraient voulu faire mieux, mais c'est déjà bien, hein. Franchement c'est déjà bien. On va prendre les 3 électros. 3 électros, le coup explosif on le garde, le chemin de terre on va passer sur la glace, et bouclier de terre on va passer sur le bouclier classique. Ça prend moins de magie, putain, j'ai presque la moitié de barre de vie. Hein. Et toujours pas de sauvegarde. Ah bah c'est bon. Voilà, ça sent le boss final. Étant donné qu'on a fait les 4 éléments là. On va passer au méchant. Voilà. J'aime pas ce système de sauvegarde. Faut s'éloigner. Il faut revenir. Et ça marche pas. C'est qui ce on? Qui ça on? J'ai dit on? Mais on est un con, de toute façon. Sachez-le. Ah, voilà, ça y est. Ah, Jonagored. Enfin! Enfin quelqu'un d'honnête. Moi aussi, j'aime bien les jeux où il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. Oh là là, mon dieu, quel plaisir. Où on domine le jeu. Où on bute les ennemis en un coup tellement qu'on est balèze. Ah, bah écoutez, faites un mode facile, Zolotrex. Soyez clément. Pensez à des gens comme Jonagored et moi. Ah, il lance des bulles. Ah, mais c'est la magie céleste, ça. Non! Vous avez bien aimé mon nom? J'ai tout donné, là. Tu ne m'arrêteras pas. Et si, parce que sinon le jeu il se finit pas, ma poule. Tu ne suffis pas pour m'arrêter. Ouais, voilà, c'est pas le bon verbe, mais bon. J'ai besoin de plus de puissance. Wholesome game. Eh, en vrai, je suis désolé, hein, mais des petits jeux où on plante des navets, moi ça me va. Hein. Ça y est, c'est reboss là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Waouh! Mais il est malin ou quoi?
Bah oui, voilà. Il s'est téléporté. Ah! Ah, ça c'est horrible comme ça. Tiens, vas-y. Ah, je lui fais rien. Comment je lui fais rien? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce boss complètement cheaté encore? Ah, il fait mal en plus. Ça va, il lâche pas mal de cœur. Oh là 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 là. Ça va être de longue haleine. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait une fatality. Qu'est-ce que c'est? Oh non, mais c'est une blague. Oh là là, mais ils sont malades. Tiens, je t'ai fumé. Ah! Oh non, ça va être ce genre de boss. Ah, je peux plus l'atteindre avec le sol. Voilà, là, là. Eh ben, mes amis, c'est pas de tout repos. Hein. Je vous comprends, The Lotrex, quand vous galérez avec les jeux. Magie descend à toute vitesse. Ah, ça y est, recommence. Bon, allez. Faut pas se laisser avoir. Ça va être un plus dur à tous les coups. Oh là 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 là. Mais sérieusement, pourquoi vous me faites ça à moi? Je vais pas y arriver. Oh là là. Ah bah c'est pas grave, ça c'est vite. Ça c'est vite, c'est bon. Pas mal, c'est intolérable quoi. Je suis peut-être pas sur la bonne magie aussi. Que je tente autre chose. La boule feu explose, c'est pas mal ça. Voilà, voilà, il est fou. Ah, ça y est, recommence. On vous voit plus? Ah oui, tiens. Ah, je pense que c'est mon téléphone qui a plus de batterie. Ah, attendez. Ah mince. Ah mince. Il faut que ça tourne maintenant. Oh, mais c'est impossible de faire ça dans un laps de temps si court. Ah, j'ai réussi. Alors, attendez. Hop. Je suis désolé, pardon. C'est le problème du téléphone. Hop, on va revenir du coup sur le normal, avec une grosse perte de qualité bien sûr. Bon, on est à... Merci de m'avoir prévenu.
on est à mi-boss. La priorité, si tu veux. Je peux pas vous répondre. Heureusement, quelque part, je me suis demandé il y a pas longtemps, est-ce que je fais apparaître le chat quand je joue? Je pense que c'est une bonne idée de ne pas le faire apparaître. Ah, je sais pas, j'y penserai. Bon, allez, on est à mi-boss. Tiens, je t'ai fumé, mon gars. Mais ça fait rien, ça lui fait rien. Ça fait rien, et puis en plus, ça me fait perdre du terrain. Bon. En fait, c'est tout pourri de réussir ce truc. J'allais dire, est-ce que j'ai pas mieux de lui faire des dégâts avec la glace, là, comme ça? Au moins, il disparaît pas. C'est mieux, non? Bah ouais, c'est complètement mieux. Bon. Alors, par contre, il reste plus que deux côtés. J'aurai moins de place. Est-ce qu'il vaut pas mieux le laisser faire son sort pourri? Et en même temps, j'ai pas envie de le laisser gagner, moi. Ouais, il est facile, en plus, celui-là. Non. Est-ce qu'on lui fait rien? Si au moins on lui faisait des dégâts, mais même pas. Ouais, mais non, si tu te casses la gomme, c'est dégueulasse. Reviens. Reviens! Ah, il va rester que là-bas, du coup. Espèce de lâche. Faut que je fasse attention à ma vie, là. Mais calme-toi, gros! Non, c'était mal joué, ça. Reviens. Ah, il est à ma merci là. On va se le faire. Non. Ah, il est peut-être pas tant à ma merci que ça, mais ça va pouvoir le faire. Pourquoi ça me touche ces boules de feu? Il est où? Ouais, il me reste pas tant de vie que ça, hein. Ouais, ça va se jouer à peu de choses, là. Oh là 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 là. Oh non, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Oh là là là. Déception. Ah, puis on doit tous retaper. Vous redites quoi? Que dites-vous? Non, mais on va se le faire. On va se le faire, il n'y a pas de problème. On va juste mieux choisir nos sorts. Ah, mais je n'avais pas vu ça. Merci, Zolotrex. C'est à double tranchant, en fait. Le feu explose, ouais. Le... Je sais pas si ça vaut bien le coup, ça. Ça, ça prend trop de magie. Ça, ça prend trop de magie. Ça aussi. Ça aussi, on va rester en fait sur la boule de feu classique. Alors, on va prendre ça. La glace, ouais, c'est bien. Ou la terre, là, j'ai envie de dire, peu importe. Hein, on va rester sur la glace, je maîtrise plus. Et j'ai une baguette pour la glace. Le bouclier, j'ai l'impression qu'il sert un peu à rien, le bouclier. Hein. On va essayer le miroir. Peut-être que ça renvoie les sorts. On sait jamais. Et le coup explosif, bah ouais, ouais, clairement, on le garde. Faut réussir les puzzles. Bah écoutez, on va y retourner alors.
courage. J'espère qu'on peut passer les dialogues. On peut pas. Bon, hop. Allez, c'est entre toi et moi. Il fuit. Non, décidément, le bouclier ne sert à rien. On est d'accord que ça sert à rien, le bouclier. Oh, je suis très très mal parti, c'est n'importe quoi. Ah, mais sérieux, je me prends tout ce qu'il faut se prendre, je me le prends. Sérieusement. Mais en fait, faut le buter lui aussi. Suicidez-vous, okay. Je me bats moi jusqu'au bout. Je me prends vraiment tout comme ça. Ouais, c'est foutu, ouais, c'est foutu. Alors là, c'était un très mauvais game. Je me prends absolument tout ce que je pouvais me prendre. Je me le suis pris. Bon. Peut-être quelque chose à faire au niveau du bouclier, là. Mais le bouclier sert à rien en fait, parce que je me prends des boules de feu, ça me protège pas quoi. Ça me protège pas. Pas autre chose à faire. Bah non, gauche, droite, copie. Ça ne sert à rien. T'attaquer, ouais, comme dirait Irène. J'adore ce manga. J'ai lu la fin il y a pas longtemps. C'était un bouclier de feu. Je vais prendre la terre plutôt. Je suis persuadé qu'il y a mieux à faire, hein, mais. Vous regardez la fin. Parce qu'ils sont pas encore. Ils sont sortis les derniers épisodes de la dernière moitié de dernière saison. Ils aiment bien faire ça maintenant. Non, non, je spoil pas, y'a pas de soucis. Mais parce que du coup, vous en êtes où? Justement pour pas spoiler. Ah, Wakanim, j'ai pas, ouais. L'attaque des titans? Bah oui, Jonagored. Ça sert à rien ce bouclier, c'est incroyable. Mince. Non, c'est pas du feu là. Ah, j'arrive pas à anticiper, j'arrive pas. On est d'accord qu'il sert à rien ce bouclier. C'est possible d'être aussi mauvais, vraiment. Ah,
Je désespère. Ça se trouve, je peux le faire, moi aussi, lancer des boules comme ça, explosives. Mais ça ne me protège rien, ce bouclier. Particulièrement agaçant. Dommage parce que j'étais hyper bien parti tout à l'heure. Et là j'y arrive plus. Ça me protège. Ça. En fait, ce qui m'agace, c'est d'avoir un bouclier qui ne sert à rien. Un peu plus sérieusement. Alors, là, il faut pas louper. Allons-y. C'est bâtard quand même, ce timer. Vous voyez ce timer? C'est quand même salaud. Après, parce que vous parlez de l'attaque des titans, j'imagine. J'ai pas le réflexe du bouclier en fait. J'utilise tellement peu depuis le début du jeu. Intolérable. En fait, je pense que si je suis trop près, ça, le bouclier marche pas. Si je reste relativement loin, ça fait déjà un peu plus. Mais pas toujours. Pile dessus, ouais, n'importe quoi. Les cœurs, ah, j'ai loupé les cœurs. C'est comment vous le faire, franchement. Bon, ça sent la mort, hein, tu le dis. Ce bouclier de la mort. Voilà. Bon, écoutez, franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça fait quoi, 4 fois là? Bon, ça fait 4 fois, ça me saoule. Je réessaierai. Je réessaierai, mais là... Là, non. Là, j'en ai marre. Là, c'est trop chiant. Ah, possible... Je peux lancer ou pas des de la terre? Bah non, je peux pas. Comment on fait pour lancer de la terre? Non, j'ai déjà essayé, ça marche pas ici. Où est-ce que j'ai de la terre? Ici, j'ai de la terre, je suis un feu de droite. Est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Voyons voir.
fiche. Ça. Là. Mais non. Ah, la manette, c'est un peu casse-pied, je vous avoue. Ouais, ça fait penser du feu. Bon. Oui, Jonah Goretz, je me rends à l'évidence. Et. Je ne vais pas insister. Je ne vais pas insister, je vais devoir rechanger du coup la caméra. Voilà. Forcément, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé le. J'ai perdu la connexion. Je ne sais pas. Le téléphone est. Bah, le téléphone est pas sur batterie, il est sur le téléphone. Enfin, il est sur le PC, donc. Bon, problème de wifi, on va dire. Bon. Écoutez. On verra pas à la fin. C'est dommage. C'est dommage, on ne verra pas à la fin. Je la verrai peut-être si j'ai le courage. J'ai horreur de ces boss de fin que j'arrive pas à faire alors que j'ai fait tout le jeu. En général, j'essaye, et puis j'insiste plus et je laisse tomber le jeu. Blanquer n'est pas le plus fort, mais on est en vacances scolaires, du coup, il est à Ibiza. On peut pas lutter. Bon, attendez, je reprends un petit peu, là. Alors. Eren a muté en truc gigantesque. Ah oui, donc vous êtes vraiment sur la fin, ouais. J'ai juste regardé de Ben. Hein. Ça s'égare un peu parfois, mais c'est quand même super. Le discours politique derrière est assez tordu. Cool. En vrai, alors moi, j'aime beaucoup, dans l'attaque des titans, le côté voilà, sanglant, l'humanité qui est désarmée, enfin, qui l'humain qui est nul, hein, voilà, qui est complètement nul. Et le côté, effectivement, un petit peu après, politico-militariste, qui peut faire référence à plusieurs sociétés, même encore aujourd'hui. Ouais, j'aime bien aussi. J'aime vraiment bien. Je trouve qu'il y a une seconde lecture du manga qui est très intéressante. Après, voilà, c'est on aime ou pas, il y a quand même des personnages aussi un peu bidons. Bon, il y en a toujours, hein, il y en a toujours. Il y a des personnages qui traînent un peu trop en longueur, je trouve que... mince, comment il s'appelle ? Celui qui fait le cuirassé, là, c'est Reiner. Je trouve que c'est un personnage qui traîne trop en longueur. Et il aurait dû laisser sa place, à mon sens, plus tôt. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Cocorico, d'accord, SNK français... Ah, ah bon ? D'accord. Cool. Merci pour ce petit backseat intellectuel, Jonah Goretz. Ah mince, c'est un faux, vous m'avez eu. Vous m'avez eu. C'est pas très sympa, du coup, vous m'avez pourri mon week-end. Je tiens à vous le dire. Macron président 2022, j'ai eu le même problème récemment avec Olija. C'est quoi, Olija? Je ne connais pas. Non, mais je vous pardonne, Jonah Goretz, mais ne recommencez pas. Ouais, j'aime. Alors, j'aime beaucoup le retournement du personnage d'Eren. Vraiment, ça, je trouve que c'est un personnage très intéressant parce qu'il semble tellement bête au départ. C'est vrai, hein, il est là, je vais tuer tous les titans, bande d'enfoirés, je vais tous me les faire, puis il s'énerve tout le temps pour rien. Et en fait, ça devient un personnage hyper intéressant, beaucoup moins torturé. Ah, Xylo80, comment ça va depuis tout à l'heure? Vous avez laissé tomber le Japon? Enfin, l'autre Japon. On est en train de parler de l'attaque des titans. Alors, pas de spoil, attention, car Zolotrex n'a pas fini. Et voilà, c'est vrai que, pour le coup, Eren, j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage. Et l'évolution qu'il a au fur et à mesure du manga, même si on a toute une période qui est un peu évincée dans le manga, une fois qu'ils ont découvert la mer, etc. Je trouve que c'est le personnage qui évolue le plus. Alors moi, j'ai fait un mélange, parce qu'en fait, j'ai... regarder principalement l'animé
jusqu'au milieu de la dernière saison. Et comme elle tarde à arriver, entre guillemets, j'ai craqué. Et je suis allé voir les scans traduits. Parce que voilà, je voulais savoir. Je voulais savoir. Mais je regarderai quand même l'animé quand il sera, quoi. Non, 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 mais Zolotrex, vous inquiétez pas, on n'en dit pas plus. De toute façon, là, on n'a rien dit, hein. Je vous dis juste que pour moi, le personnage d'Eren est un des meilleurs personnages de manga dans son évolution. Après, voilà, ça reste des humains avec des bouts de ficelle et des épées qui tuent des personnages asexués de entre 5 et 80 mètres de haut, quoi. La routine au Japon. Oui, vous avez tenu bon. Ouais, mais vous avez Wakanim. Moi, je l'ai pas. Donc, je suis obligé d'attendre que ça arrive sur Netflix. Ah, ouais, c'est long. C'est long. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, voilà, on va s'arrêter là. Malheureusement, ma patience. Juste pour ça, je comprends. Je comprends complètement. Même si c'était que un mois, j'aurais sans doute fait comme vous. Donc ma patience malheureusement n'a pas été à l'épreuve de ce boss de fin que j'ai failli tuer en one shot et que j'ai complètement loupé les trois essais d'après. Donc il faut se rendre à l'évidence, je ne suis pas de taille ce soir. Je le terminerai de mon côté parce que quand même être si près de la fin c'est agaçant. On se retrouve, on est quel jour? On est jeudi. On est jeudi. Donc on se retrouve samedi. On se retrouve samedi sous les coups de 19h. Et je ne sais absolument pas du tout à quel jeu on va jouer. Je ne sais pas du tout. J'ai plusieurs jeux sous le coude. Je pense que je vais lancer un peu un long play aussi. Non, mais c'est pas grave, Zolotrek, c'est pas de souci. Je ne sais pas du tout. Soit je lance un jeu relativement long, qu'on fera pas forcément d'affilée, mais qui reviendra régulièrement. Soit on se fait voilà, ce genre de petit jeu. Je ne sais pas encore comment j'organiserai mes longs plays. On verra. On verra, on verra. Donc quoi qu'il en soit, merci d'avoir participé à ce live. Désolé de ne pas avoir pu finir le jeu. Pas devant vous. Je le finirai quand même. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à samedi si vous pouvez, sinon à bientôt. Allez, ciao!